Alors, bonjour à tous. Merci d'être toujours si fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, si qu'on se retrouve sur YouTube, si on parle la belle langue de Molière, pour savoir ce qui se passe, quand ça se passe et pourquoi ça se passe, et faire des petites découvertes intéressantes comme celle-là à l'occasion. On est le 1er janvier 2019. Encore une fois, bonne année à tous. Santé, surtout. Prospérité, très difficile à avoir la prospérité avec des gouvernements. Affamés, des ogres. Plus vous allez travailler en plus, plus ils vont aller vous en chercher, plus vous allez être puni. C'est ça la mentalité de la sociale médiocratie. Donc, santé, comment ça va la santé? Parce que je peux vous dire une chose, c'est vrai que sans la santé, la vie est déjà difficile, c'est encore plus difficile. Comme disait ma mère, l'enfer est sur terre et on vient de trouver les portes ou la porte de l'enfer. C'est ça la petite découverte que je viens de faire. Vous la connaissez peut-être, mais moi je viens de, de, de voir cette petite nouvelle-là. Comme par hasard, je dis, tiens, je vais vous partager ça, c'est intéressant, c'est affolant, c'est vraiment bizarre comme histoire. Ça nous provient du Turmékistan, euh, Turmékistan, oui, où il y a cette fosse du désert infernal qui est en feu depuis plus de 40 ans. Et on l'appelle... La Porte de l'Enfer, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose de spécial. Ça brûle et ça brûle... il y a des... depuis plus de 40 ans. Donc, on va lire l'histoire. Dans le désert du Turquie, 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 pardon, un cratère baptisé la Porte de l'Enfer brûle depuis des décennies. On voit l'image ici, là. Il y a des endroits sur Terre qui sont un peu effrayants, des endroits qui se, qui se sentent un peu hantés et des endroits tout à fait infernaux. Le cratère gazier de Darvaza, surnommé par les locaux la porte de l'enfer, tombe définitivement dans cette dernière catégorie. Et, des, et ces sinistres flammes en sont la moitié. Situé dans le désert de Karakoum, au centre du Turménistan, au ouais, à, à, à peu près 150 km de la capitale du pays, la fosse attire des centaines de touristes chaque année. Il attire également la fonte du désert à proximité. On signale que de temps à autre, des araignées locales s'enfoncent dans la fosse par milliers, attirées par la flamme ardente. Alors, comment cet enfer de feu s'est-il retrouvé au milieu du désert du Turménistan? En 1971, lors de, alors que la République faisait encore partie de l'Union soviétique, un groupe de géologues soviétiques s'est rendu au Karakoum à la recherche de champs de pétrole. Ils ont trouvé ce qu'ils pensaient être un important champ pétrolier, pétrolifère, et ont commencé à forer. Malheureusement pour les scientifiques, ils étaient en train de forer au-dessus d'une poche caverneuse de gaz naturel qui ne pouvait supporter le poids de leur équipement. Le site s'est effondré, entraînant... Son équipement, l'événement a également provoqué l'effondrement de la roche sédimentaire friable du désert, créant ainsi un effet domino qui a entraîné la formation de plusieurs cratères ouverts à l'époque. Le plus grand de ces cratères mesure environ 230 pieds de large et 65 pieds de profondeur. Personne n'aurait été blessé dans l'effondrement, mais les scientifiques ont rapidement eu un autre problème, le gaz naturel s'échappant du cratère. Le gaz naturel est composé principalement de méthane qui, sans être toxique, remplace l'oxygène et rend la respiration difficile. Ce n'était pas vraiment un problème pour les scientifiques, mais pour les animaux qui habitent le désert de Karakoum. Peu de temps après l'effondrement, des animaux errants dans la région ont commencé à mourir. Le méthane qui s'échappe présentait également des dangers en raison de son inflammabilité. Il ne doit rester que 5 de méthane dans l'air pour qu'une explosion puisse se produire. Les scientifiques ont donc décidé d'allumer le cratère en feu, en espérant que tout le dangereux gaz naturel brûlerait dans quelques semaines. Ce n'est pas aussi bizarre que cela puisse, à, puisse paraître dans les opérations de forage de pétrole et de gaz naturel. Cela se produit tout le temps avec du gaz naturel qui ne peut pas être capturé, contrairement au pétrole, qui peut être stocké indéfiniment dans des réservoirs après le forage. Le gaz naturel doit être traité immédiatement. S'il y a un excès de gaz naturel qui ne peut pas être acheminés vers une installation de traitement, les foreurs brûlent souvent le gaz naturel pour s'en débarrasser. C'est un processus appelé torchage qui gaspille chaque jour près d'un million de dollars en gaz naturel, rien que dans le Dakota du Nord. Mais contrairement aux foreurs du Dakota du Nord, ou d'ailleurs, les scientifiques du Turministan n'étaient pas euh, confrontés à une quantité mesurée de gaz naturel. Ils ne savent toujours pas à quel point le gaz naturel alimente le cratère en combustion. Une semaine de brûlure ou de brûlage sera transformée en un feu de joie du désert de près d'un demi-siècle. Ça fait presque un demi-siècle que ça brûle. Après avoir visité le cratère en 2010, le président du Turménistan, euh, vous m'épargnerez son nom là, et sa prononciation, craignant que l'incendie ne menace la capacité du pays à développer des champs de gaz. Proche, a ordonné aux autorités locales de présenter un plan pour remplir le cratère. Aucune mesure n'a toutefois été prise et le cratère continue de brûler, attirant une faune sauvage sans méfiance et des touristes internationaux. Pour visiter le cratère de gaz de Dar euh, d'Arvaza, il est préférable d'aller la nuit lorsque l'incendie peut être observé à des kilomètres de distance. Le cratère est situé à environ 160, 161 000, environ 4 heures de route de la capitale turkmène, Asgaba. Les visites peuvent être réservées par des agents à Asgaba. Par ailleurs, certaines entreprises proposent des visites plus structurées de la région environnante avec le cratère d'Arvaza inclus. Wow! Donc, un cratère qui brûle depuis plus de 40 ans. Assez hallucinant. Donc, chers amis, c'est ça qui est ça. Une belle petite histoire, les portes de l'enfer viennent d'être trouvées. C'est vrai que l'enfer est sur Terre en passant.